Hello, hello, my name is Sandy. Can you please introduce yourself for French télé? My name is Jack Bears. I am a crazy reporter about mad artist. So what is gonna be your next reportage about? The next reportages are gonna be about Venice Biennale in Italy. Great, I cannot wait to watch them. The last question is, who is your favorite artist? Tony Bears, of course. You see, for French télé, it is very important to make art with art, you know. Sorry, I got to do now. Thank you very much, Jack Bears. See you soon on French télé. Something on the poles of emotions. Very peaceful motion, yeah. Very aggressive motion. Very good. And where they live? In Russia? Moscow. And you are a gallery from Moscow? Moscow. You are from Moscow. And you are Russian? Yeah. Okay, good. And you're working all the time in this gallery? From time to time. Okay. And many galleries in Moscow? Yeah, there are. So big market of many people. Oui, madame, vous désirez? Bonjour, c'est le hippie market de Lille? Trop cool. La beauty, a mini jupe, a bel sac à combination, avec la veste. Le haut talon. Ok? Sure, madame. Je suis très content de vous voir. Le talon sonophone. Par là. Magnifique. Absolument. 35 euros is cheap. Voilà. Bonjour. Tony, salut. Salut. Je suis avec Mademoiselle George. Audrey. C'est toi, Audrey? Oui, c'est moi. Ouais, Tony m'a parlé de toi. Il en parle à longueur de journée, mais bon. Là, j'ai plus besoin de parler de toi, je te vois. Tony, bon alors, raconte-moi la théorie du cajot, ça continue. Alors, pour préciser, Tony, c'est le créateur de French Télé. Et donc, c'est un innovateur. Il cherche des formules de télévision. Et donc là, c'est la théorie du cajot qui va nous expliquer. Voilà. Alors, c'est quoi le principe? Alors, la théorie du cajot, c'est de... C'est un principe de prise de vue, en fait. Ouais, ouais, donc on peut mettre l'iPhone là, normalement. Alors, ici, dans le trou. Ouais, dans le trou qui est là. Ah, dans le trou qui est là. Ouais, voilà. C'est bien. Plus par là. Plus par là, ouais. Comme ça, tu vises bien mieux. D'accord, donc il y a le cajot qui fait un cadre. Voilà. Ouais. On est dans le cadre. Et l'idée, c'était de faire... Je sais pas, en fait, je cherche toujours des idées que je pense que personne n'a eues. Donc, quand j'ai vu le cajot, quand je suis arrivé en France, et je me suis souvenu qu'à Londres, il n'y avait pas de cajot. Pour moi, c'était dur à trouver, c'était quelque chose de rare. Donc, j'ai trouvé un cajot, un nouveau travail, ça s'appelait la théorie du cajot. Et avec un cajot, on va faire une œuvre d'art, on va faire une animation, on va faire un spectacle, gagner des sous, devenir célèbre, faire de la télé. Ok, non, mais bon, le principe c'est qu'il fait des émissions de télé. Voilà, donc des émissions de télé. Tony Bears fait à monter une télévision qui est French Télé. Voilà. Le principe, c'est de faire des émissions de télé. Là, ouais. Tu cherches une manière esthétique dans tes émissions de télé. Donc, tu as inventé le cajot qui permet de refaire un cadre à l'intérieur. Voilà, ouais, en gros. Et tu n'as pas encore vraiment le contenu de l'émission. Ben non, parce que... Pour l'instant, le contenu, c'est toi. C'est live, ce qui se passe au milieu. Quand on est en live, l'intérêt de... C'est une découverte pour moi. Hein, mais explique-moi le live, c'est pourquoi? Pourquoi le live? Le direct, Monsieur, on a expérimenté la théorie du cajot, c'est une nouvelle télévision, c'est France Télé. Voilà. Alors, pourquoi le live? Comment le live? Le live sur Internet, parce que maintenant c'est possible, c'est facile d'être en live, de diffuser de l'image sur Internet. Tout ce qu'il nous faut, c'est un petit téléphone portable. Ouais. Il a la 3G dessus, comme ça. Un téléphone portable, voilà, avec une caméra. Voilà, il a l'application Kik. Et l'application Kik qui s'appelle, c'est Quick, mais ça s'écrit Q-I-K. Voilà. Redis-le, ouais, du mois. Donc Kik.com. Vous allez sur Kik.com/France Télé. On se crée un compte.
Et là, ben, vous pouvez avec votre téléphone vous voir en direct sur Facebook. Et qu'on peut relayer, c'est-à-dire cette image est sur ton site Kick, voilà. Et en même temps tu peux la remettre sur French TV ou voilà, YouTube et tout ça. Donc ça passe sur YouTube, sur les sites internet, les blogs. Et French TV recherche des correspondants qui doivent au début. Des correspondants. Des correspondants. Toujours pour le culturel dans le monde entier, Londres. Et toute la banlieue de Londres, ça veut dire de Shanghai à San Francisco. Ah, on cherche même au pôle Nord, c'est difficile à trouver. Hein. Alors, donc, ce que je voulais dire, c'est que les gens, pour devenir correspondant French TV, il faut que les gens, dans un premier temps, ils te contactent, t'envoient des vidéos, et après, quand t'as vu qu'ils faisaient des trucs pas mal, ils peuvent, tu leur donnes le code pour pouvoir être directement sur French TV. Ils ont le code, et là, ils deviennent officiellement reporter. Reporter French TV, et ils visent en direct, pratiquement. Voilà, donc après, ils peuvent, moi, j'ai dit, pour moi, je me suis fait un cajot, parce que je me suis dit, le cajot, c'est cool, j'en ai pas vu beaucoup des cajots dans les galeries d'art dernièrement. Ouais, ça, c'est ton installation à toi, ta manière de signer tes images. Il y en a un qui fait, je pense, un copain qui fait Escalébon en Espagne. C'est super, après il y a Alexia. Ça c'est des émissions. Ouais, c'est des émissions. Ouais. Ouais. Il y a Alexia aux États-Unis qui fait plus du reportage. Par exemple, elle a fait un reportage sur la journée la bataille de Poussin. Ouais, ou bien sur des petites galeries qui présentent ambiance Los Angeles où il y a une copine qui vend des bijoux dans son appart. Voilà, c'est rigolo. Donc c'est super, ouais, et on s'éclate comme ça. Après, voilà. Donc tous les gens, t'invites tout le monde à t'envoyer des vidéos pour qu'ils puissent devenir correspondants French TV. Voilà, et puis qu'on puisse, que French TV puisse... On peut déjà préciser qu'il va y avoir un direct qui sera régulièrement pendant les 3 jours d'ouverture du festival de la Biennale de Venise. La Biennale de Venise, ça c'est... par exemple, c'est quand même hyper rare qu'un de vos copains, par exemple, fasse du direct sur des expositions énormes comme celle-là. Moi, j'ai pas beaucoup de copains qui le font. Et donc là, on va avoir des images vraiment, des points de vue. Des petits points de live, des petits trucs courts. Ben, ça va être, on verra bien, hein, jusqu'où. Puis après, moi, je vais en faire aussi sur Londres. On a fait donc la théorie du cajot, elle est made in France. Hein. Je veux dire, coupé. Non, voilà, ok. Donc, t'invites tout le monde. Ok, à bientôt. This is Kimberly Bears for French Lee News. Today, drop bouf putain fuck. Today, Tony Bears is being invited at the White House in Washington. Have a look. Oh. Tony Bears will be available in a few minutes, shortly after his shower with Mrs. Clinton. No interview possible.